Le vivre ensemble, c'est ça vraiment objectif programme ça. Donc journée aujourd'hui, l'arrivée vraiment en réalité pour nous être là, pour nous signer protocole d'accord ça et nous souhaiter vraiment que programme arrive pour le porter toute fruit que le capoter pour jeunesse nous. C'est la meilleure initiative que le ministère a été capable. Et je vais essayer d'expliquer, moi j'ai plus de 40 ans dans ma milité dans le volleyball et dans le volleyball scolaire comme joueur, je suis entraîneur, ensuite je suis membre de la fédération côté ma paye, bah écoute mais dans l'organisation championnat scolaire. Dis-nous que dans quelle que soit catégorie, dans mémoire année nous avons plus équipes participer, il était 10 équipes. Avec le mouvement ça que le ministère a initié, bon, c'est que le fait que le ministère c'est lui qui gagne l'école sous couple, facilement nous cap multiplier quantité ça par 10. Projet ça vient à point dans la fédération basketball parce que nous avons déjà fait dans l'école ça nous relie basketball dans l'école qui était plus près de Port-au-Prince, mais qu'on y a avec partenariat ça avec le ministère là, moi pensais que le programme ça la plus solide et plus pérenne dans ce sens ça moi féliciter ministre pour l'initiative là. C'est un bagage qui pourrait le faire dans tout le pays. Hein. Tant que le collègue Papou Udil l'a demandé en pile logistique. Et moi, au niveau fédération basketball, nous parions pour ça. Nous avons toujours fait ça. Mais nous avons fait pour contre nous. Maintenant que nous avons un gros partenaire avec nous, nous pensons que c'est un bagage qui pourrait le pérenne, qui pourrait le durer. Et nous espérons que ça nous voulait pour les jeunes. C'est que le sport engendre passion la caillou positivement et que leur passionné de sport de jouette là li pral fait au perdre du temps là-dedans et tant ça y a passé là-dedans là l'a empêché au faire l'autre bagarre.